Allez, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Yo, ici c'est Newton DDW, athlète coach sportif, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'irai m'entraîner chez vous. Et oui, c'est le nouveau concept vidéo que je mets en place sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça va vous plaire. Je vous explique. C'est simple, le concept est d'aller m'entraîner chez vous, dans votre ville, dans votre salle de sport ou dans vos gym et comme vous, faire votre entraînement. Ça peut être des athlètes confirmés qui ne sont pas spécialement connus sur les réseaux, ça peut être des autres youtubeurs, ça peut être des abonnés. Et aujourd'hui, c'est le premier épisode. Donc du coup, pour l'instant, je vais me déplacer aux alentours de ma ville et j'espère plus tard, si le concept prend, me déplacer partout en France. J'espère que ce premier épisode va vous plaire. Je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos pour pas les louper. Et oui, vous voyez là, il fait froid. On est très tôt le matin. On n'est pas le soir, hein, parce que là, il fait nuit, mais on est très tôt le matin et on a rendez-vous avec le premier athlète que je vais vous présenter sur ce premier épisode. Et franchement, ça va vous motiver. Et pour info, j'ai mis une petite cagnotte PayPal donation. Donc c'est pour les personnes qui veulent participer au projet pour m'aider à financer les déplacements. Surtout si je pars dans le sud de la France, dans le nord de la France, dans l'ouest, dans l'est. S'il y a des grands déplacements à faire, ça pourrait m'aider pour financer tout ça. C'est pour ça que pour l'instant, je reste dans ma ville, Reims et aux alentours. Ce projet, je le finance moi-même et une aide de votre part serait la bienvenue. On va arrêter de bablater. Je vous ai présenté le projet. Maintenant, on va voir le premier athlète. Me voici arrivé au CrossFit Réville de Reims, une box de CrossFit, et j'introduis le premier athlète, Ludo. Ça va ou quoi? Ça va. La forme? Bon, il est un peu timide, il n'a pas l'habitude d'être devant la caméra. C'est ça. Dis-moi, quel âge? J'ai 33 ans. Donc, tu fais de la musculation? Ouais, musculation, de l'haltérophilie et du CrossFit. Depuis quand tu as commencé? J'ai commencé avec mon coach Alex il y a de ça un an, légèrement plus d'un an maintenant. Ouais. Donc ça fait que un an que tu t'es mis au sport, quoi, entre guillemets, à la musculation, etc. Alors non, je faisais avant même mon accident de la musculation, j'ai fait divers sports. Ouais. Mais je me suis mis réellement en fait à cette activité-là principalement il y a début janvier de l'année dernière. Et j'ai commencé le CrossFit en avril ou mai à peu près. Ok. À la réouverture des salles. D'accord. Donc en fait, j'avais déjà tourné pas mal de vidéos ici au CrossFit Réville et c'est comme ça que j'ai rencontré Ludo. Et on s'est revu il n'y a pas longtemps et on s'est dit que ça serait bien de faire une vidéo. En plus, tu as un gros projet personnel. C'est ça, ouais. Et du coup, je me suis dit ça serait bien de faire cette vidéo-là pour introduire ton projet et t'introduire aussi. Comme on voit, tu n'as qu'un bras, tu as un accident. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait de ça 6 ans. 6 ans, j'ai fait une perte de contrôle du véhicule en fait. Ouais. Et j'ai eu donc un accident, j'ai fait des tonneaux. Comme j'ai l'habitude de dire, j'ai mon bras qui est parti se promener pendant que je faisais des tonneaux. Mmh. Et donc voilà, je me suis réveillé presque instantanément et donc j'ai dû m'occuper de moi-même pendant l'accident, enfin brièvement, voilà. Et donc j'ai fait 2 mois et demi d'hôpital, j'ai fait un mois à peu près d'urgence, où ouais. J'ai fait 2 semaines de coma artificiel. Donc, s'en est suivi beaucoup de soins. Ouais. Et au bout des 2 semaines, ils ont décidé, en fait, ils ont essayé de rattacher mon bras, mais ils n'ont pas réussi. D'accord. Et en gros, ils ont décidé de m'amputer complètement du bras. Ok. Donc, après un mois et demi après, je suis sorti. Et puis. Donc, ça va faire 6 ans que ça s'est passé. Ouais, 6 ans. 6 ans, c'est arrivé le 7 juillet. Le 07-07-15, ouais. Donc un peu. Et comment ça se fait que genre tu t'es dit là il y a un an je me mets à fond dans la musculation, dans le CrossFit, etc. Sachant qu'avant tu n'avais pas ce physique actuel. Non. Je mettrai des photos, voilà,
pour montrer le physique que tu avais avant. Ouais. Et ouais, du coup, comment ça se fait que là, il y a un an et demi à peu près, tu as décidé de te mettre à fond dans le sport? Est-ce que c'est par rapport à un déclic, quelque chose? Alors, c'est plusieurs choses. En fait, moi, quand je suis arrivé sur Reims, j'ai acheté une propriété et je me suis lancé dans le pari fou de rénover toute une propriété avec deux maisons entièrement à une main. Donc, d'accord. J'ai rénové la première et là, je suis en train de terminer la deuxième. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que déjà, j'ai eu un rendez-vous avec un médecin expert médico-légal suite à mon dossier par rapport aux assurances. Ouais. Et en fait, ils se sont rendus compte d'une chose au bout de 4-5 ans. C'est que à cause de mon handicap, ma colonne vertébrale commençait à avoir un aspect scoliotique. J'avais une atrophie musculaire de l'épaule gauche du fait que quand je suis sorti de l'hôpital, en fait, on m'a pas guidé, j'ai pas eu de rééducation, on m'a laissé un peu comme ça. Je suis sorti de l'hôpital, on m'a fait bon bah allez bonne journée. D'accord. Ouais, on t'a pas conseillé des choses. Voilà, c'est ça. Et en fait, en faisant les travaux à fur et à mesure, les poutres, les faux plafonds, etc. J'ai commencé tout simplement à prendre un peu plus d'un côté ou autre. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte quand même dans la glace, je me suis rendu compte que esthétiquement déjà, j'étais un peu plus gonflé au niveau musculaire. Ouais, tu commençais à avoir une mauvaise posture, etc. C'est ça. Et donc, au niveau des douleurs, ça devenait de plus en plus difficile par rapport à mon épaule. Moi, je suis atteint de ce qu'on appelle le syndrome du membre fantôme aussi. Ouais. Et donc, ça devenait plus compliqué. Et donc, il y a un an, quand j'ai vu aussi mon poids, je faisais 128 kilos il y a d'accord. un an. Et maintenant, j'en fais 89. Ouais. Je suis descendu à 85. Et donc, j'ai décidé tout simplement de reprendre tout ça en main parce que pour moi, je trouvais que ça devenait compliqué. Et ouais. Donc, on a travaillé sur réduire toute cette cette atrophie musculaire. Ouais. J'ai eu un rendez-vous il y a de ça à peu près un an. Et on avait vu avec mon médecin que tout ça avait été retravaillé, que l'aspect scoliotique de la colonne avait été retiré. Ça t'a fait du bien de refaire du sport, etc., de travailler. Ouais. Pas que physiquement, mentalement aussi. Ouais, aussi ça m'a permis d'avoir une meilleure rigueur dans la vie. Ouais. Au niveau alimentaire. De te sentir mieux déjà, je c'est pense. C'est ça. Et au niveau alimentaire aussi, corriger un peu plus mon alimentation, manger un peu mieux. Ouais. De meilleure quantité, etc. Sachant que pour l'entraînement, pour prendre du muscle, pour progresser, il fallait aussi le sommeil, il fallait c'est ça. Tout ça. C'est un tout, donc, hein. Ouais, c'est un calvaire des fois. Ouais. Des fois, je me dis, j'ai tout le temps faim. Ouais, bah. Et je mange, mais bon, on peut pas se jeter non plus sur n'importe quoi. Après, même si j'ai un rythme de vie sain, mais je me fais plaisir. C'est ça. Mais tu peux te faire plaisir de temps en temps, quand même. Ce que je vois, je me fais pas non plus. Je me restreins pas, quoi. Ouais. Et je voulais savoir un truc. Par rapport à ce que tu m'as dit, le syndrome fantôme, du membre fantôme. J'aimerais bien que tu l'expliques. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, je vais essayer de vulgariser. Ouais, vulgarise, tu vois, pour en que gros, les gens puissent comprendre, parce que tout à l'heure, tu as sorti c'est ce ça. Terme-là. Et en fait, c'est difficile à appréhender pour quelqu'un qui ne l'a pas. Mais en ouais. gros, là, si je me mets dans cette posture-là, mon bras gauche est toujours là pour moi. D'accord. Et en gros, c'est comme si ma main, là, elle était comme ça. Mon bras gauche était là comme ça. Ouais. Et en fait, je ressens, par exemple, en ce moment, au niveau de ma main, des engourdissements, comme si tu t'endormais la nuit et que d'accord. tu te réveillais et que tu avais l'impression d'avoir des fourmis et que ouais. tu dis, oh, c'est agréable. En fait, là, pour le moment, j'ai des sensations comme ça dans la main gauche. D'accord. Mais cette main gauche, je ne l'ai plus. Ouais. Mais tu as la sensation comme si tu l'avais ouais. et qu'elle a un peu engourdi, voilà, etc. C'est ça. Ça m'arrive, par exemple, là, si je viens à contracter en fait, mon biceps qui est là, le restant de mon biceps, ouais. eh ben, je ressens mon biceps et un peu au niveau de l'articulation, je sens qu'il y a quelque chose. D'accord. Simplement, comme si on faisait d'accord. une pression. Je peux ressentir, et c'est là où en fait, moi, j'avais des traitements que je n'ai plus grâce au sport, ouais. Grâce à toute cette reconstruction, je maîtrise un peu mieux mes douleurs et sachant que physiquement ça va mieux, et on va dire que c'est plus facile à gérer au niveau du membre fantôme. Maintenant j'apprends aussi à le connaître et je sais que par exemple le froid ça a tendance à paralyser les douleurs, etc. Ça ouais. me fait comme un si je mets un bac à glaçons ou autre, ouais, ça me fait comme un effet qui se coule. C'est pour ça, genre par exemple, je sais pas si tu as déjà essayé la cryothérapie, c'est pas mal.
Et on devait voir là, ça fait partie des choses qui m'intéressent de savoir, la Ouais. cryothérapie pour tout ce qui est membres fantômes, etc. Je voulais voir pour lancer une étude là-dessus, quelque chose d'intéressant, mais il faut que je trouve des personnes dans mon cas. Et le truc, c'est que ben, c'est pas facile à trouver, hein, ça se trouve pas au Ouais, supermarché. c'est clair. Et il faut quand même pas mal de contacts, pas mal de gens qui viennent me voir, qu'on puisse voir pour faire ces choses-là. Mais en tout cas, Et. bah, moi j'ai des potes hein, qui tiennent Kyrotera. Je pourrais te mettre en Ouais, connexion avec eux, t'inquiète. Ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant, surtout là-dessus. Moi, par exemple, ça m'est arrivé, et ça, c'est les douleurs les plus difficiles à gérer. Toujours la sensation, des fois, d'avoir le bras qui se déchire, comme le jour de mon accident. Ouais. Ça, c'est, j'avoue que j'ai tendance à serrer les dents. Ça va être des douleurs comme des tendinites. Ouais. Je vais avoir des douleurs de tendinite, mais le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir se masser, se soulager, Ouais. mais on ne peut pas. On peut pas. D'accord. Et c'est vraiment. Voilà. Moi, on m'a dit, je ne devrais pas vivre avec ça, en fait, parce que normalement, en théorie, c'est quelque chose qui est censé s'atténuer avec le temps. Moi, on Ouais. m'a annoncé qu'en théorie, je devrais l'avoir à vie. On a fait pas mal de choses. Il y a des thérapies miroirs, etc. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Pour d'autres, ça va fonctionner. D'accord. On a été jusqu'à tester, en gros, la pose d'électrode sur la tête. Et si ça fonctionnait, en gros, c'était m'ouvrir le crâne pour me faire poser des électrodes et Ah avoir un ouais. boîtier qui descende pour balancer des impulsions électriques. Mais j'ai dit non, Ouais. c'est chaud quand Ouais, c'est même, chaud quand c'est même. chaud Je quand peux même. comprendre. J'ai dit non. Et j'ai tout simplement fait le choix de faire du sport. Et quand j'ai vu que toute la reconstruction musculaire se faisait et tout, et en fait, grâce à tout ça, toutes les douleurs ont commencé à se réduire. Au début, avant de commencer, je faisais, on va dire, des surchauffes. Ouais. J'avais l'épaule qui surchauffait, je transpirais et tout, et le seul moyen de me calmer, en fait, c'était de prendre une douche ou autre. J'ai D'accord. appris à gérer tout ça grâce au sport, et bah, c'est des choses que je ne fais plus maintenant, quoi. Ok. Bon, en tout cas, franchement, mes grands respects. Ça fait que 1 an et demi que tu t'es mis au sport, tu as perdu pas mal de kilos. Même pas 1 an et demi, ça fait un an, Un là, un an. an et un mois, ouais. Et de ce que j'ai déjà vu, vous pouvez le suivre sur Instagram via quelques vidéos perso qu'il met. Franchement, il fait des trucs, voilà quoi. Aujourd'hui, je vais suivre un entraînement que tu fais. Un WOD qui a déjà été fait. WOD, c'est un circuit training. Donc, bah, je vais m'entraîner comme lui, c'est-à-dire je vais tout faire à un bras. Alors, c'est parti pour l'échauffement. Du coup, là, tu es en train d'installer ton accessoire. Je suis en train de galérer à installer mon accessoire. Comme ça, tu vas nous montrer comment tu fais pour faire du rameur. Parce que là, on va faire du rameur pour s'échauffer. Ouais, on va faire 2 minutes de rameur, 2 Ouais. minutes de ski erg, une centaine de sauts à la corde et on va partir sur quelques exercices, on va dire, de mobilité et tout, avant de Ok. commencer le deadlift. Donc ça va te servir pour le rameur. Ouais. Et toi, quand tu fais de la corde à sauter, tu as une C'est ça. corde spéciale. C'est ça. Voilà. Donc j'ai une corde comme ça sur un seul tenant en acier avec une corde en Ok. acier tout simplement comme pour le crossfit avec des roulements à billes qui sont intégrés à l'intérieur. De toute façon, on va voir tout ça en image. On va commencer par le rameur. Et bah justement, on va voir comment il va se placer, etc. J'enroule légèrement la sangle pour la taille et je passe hop, la sangle dedans et je suis D'accord. comme tout le monde, on va dire. Donc là on part sur 2 minutes. On part sur 2 minutes, ok. Bon, les 2 minutes, ça va, sont passés assez vite. Moi, j'aime pas trop faire du rameur. Mais bon. Alors, du coup. Skiergue, c'est une des machines que je préfère pour le coup. Ouais. Du coup, là, on fait combien de temps? 2 minutes. 2 minutes aussi? Ça va faire chauffer les cuisses. Franchement, ça chauffe bien. Bon, en plus, je garde mon pull parce que j'ai froid. Il fait vraiment froid. Mais lui, il n'a jamais froid apparemment. Non. Mais moi, j'ai toujours froid. Alors, troisième exo. Corde à sauter. Corde à sauter. Bah, c'est bien, comme ça, tu vas me montrer comment tu utilises ta C'est corde à ça. sauter. Ok. Et du coup, tu vas faire des doubles comme ça. Ouais. Je devrais faire des triples normalement, sinon c'est long Même, si je fais que attends. des doubles. Attends.
Ok, ok. Super chaud. Je teste pour savoir où est-ce que j'en suis quand même. Parce que je suis en train de le faire. Voilà, ah. Bon, on a fait notre petit échauffement. Tiens. À la corde. Maintenant, je vais essayer. Alors, main au milieu, t'accroches ton bras. Va falloir que t'accroches ton bras, il va te gêner sinon. Devant. Surtout que t'as des gros bibis, donc ouais, essaye de le mettre devant. Putain, tu viens. C'est un délire, hein. Tu risques de voir la mettre en arrière. Et il va falloir que tu gères le saut pour bien garder en avant. Ok, en avant. Tu gardes en avant. Un peu comme si tu faisais du dada. Ok. Mais je viens derrière là. Ouais. Et tu balances en avant. Ah, faut mettre une belle rotation. Ok. Hein. Donne de la vitesse à la corde. Je suis en fait, fouetté là. Tu sautes de façon classique. Et en fait, quand tu viens, tu donnes une rotation et après tu bouges presque pas. Okay. C'est tes poignets. Ah 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 ah. Ah oui, il faut vraiment garder juste devant soi le. Trop chaud. C'est, ouais, c'est technique, il faut que je garde le. Voilà. Ici. Oh. Ouais, comme t'as dit, comme si on faisait du dada. C'est ça. Faut être décontracté. 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 Je suis trop crispé. Voilà. Ah. Voilà. Ah. Oh, putain. Elle punit souvent la corde. Ouais. Ah. Bon, on a fini les chauds avec la corde. Franchement, c'est chaud de ouf. Bon, après, il y a une technique à avoir. C'est comme les double enders. Quand tu sais pas les faire, au début tu les fais et tu te niques de partout. Enfin, tu te fouettes avec la corde. Je me suis fait fouetter les fesses et le crâne. Ouais, c'est beaucoup d'entraînement, ça m'a demandé beaucoup de rigueur là-dessus. Ouais. À réussir à se relâcher, j'ai appris tout seul au final. Et ça demande vraiment une grande rigueur. Ouais, et c'est mortel, hein. Ouais. Franchement, c'est chaud. En plus, faire les doubles, et si tu fais les doubles, triples, triple, je peux peut-être, mais bon, je vais essayer. Mais... Alors je les ai passés, j'essaye de les repasser à répétition. Mais tu vois, voilà. quand je te visualise en train de le faire, je capte qu'en fait qu'il faut vraiment rester là, tu vois. En fait, tu restes là, il faut vraiment avoir le coude proche du corps et être comme c'est ça, quoi. Parce qu'en plus, il faut être décontracté, parce que si tu as tendance à te contracter, tu vas te fatiguer beaucoup plus. Ouais, bah c'est comme une double ender, dès que tu as l'aise, donc, voilà. ça va tout seul. Alors là, on passe sur la mobilité, tu m'as dit. Ouais, un peu de mobilité. C'est ton kiné qui t'a conseillé de... C'est ça, en fait, en gros, j'ai un décalage de la hanche, je crois, au côté gauche. Ouais. Un pouce, donc un pouce, ça doit être, je crois, c'est 4,6 cm en gros. Et donc on travaille à réaligner la hanche. C'est d'où l'utilité d'avoir un kiné ou d'un kiné du sport, de pouvoir faire les choses. Parce que c'est encore une chose qu'on a détecté, il y a un mois et demi. Hein. Pourtant, du sport, j'en fais depuis un moment. Ouais. Et en fait, ce décalage, en fait, du fait que j'ai mon handicap, j'ai tendance aussi à légèrement désaxer, etc. Et donc, au niveau de la rotule, en ce moment, alors c'est pas gravissime parce que je fais des gros poids, ouais. Mais j'ai quelques douleurs au niveau des tendons, une légère inflammation. Pareil, moi aussi. Et c'est dû au et son. Donc là, les Spanish Squat qu'on va faire, alors si je me souviens bien, ouais. Ça va être simplement tendre l'élastique et en fait, ça va soulager la rotule. Et en faisant des squats classiques, comme ça on utilise des ischios. Je te laisse nous montrer tout ça et puis je vais le faire aussi.
Alors, ton deuxième exo pour la Alors, mobilité. Genou au sol, tu écartes la jambe, ouais. Légèrement, le pied légèrement sur extérieur. Alors, les deux doivent être axés, en fait, tu dois avoir ton talon au niveau du genou. Ok. Voilà, et après, tu descends. Tu gardes le buste droit et tu descends. Et tu fais 10 reps. Et tu essayes de venir chercher au maximum chaque fois, mais ton genou ne doit pas décoller. Ok. Alors, l'échauffement est terminé, on va passer au premier exercice avant d'attaquer le WOD. Donc, premier exercice, on va faire du deadlift, soulevé de terre, et du coup, il va nous montrer comment il fait du soulevé de terre avec sa sangle qu'il a utilisée pour le rameur, par exemple. C'est ça, je vais juste tester le poids, voir. Alors là, c'est simple. Alors nous, on a de base, en fait, c'est pour ça qu'on dit que le harnais était mal conçu. Ouais. Il aurait dû être vu par des professionnels. Moi, je l'ai fait voir par des coachs, des kinés. Parce qu'en théorie, la sangle vient ici sur l'anneau que vous voyez là. Ouais. Le problème, c'est que je peux pas trop vous montrer là. Mais quand le harnais vient ici, on doit accrocher normalement les mousquetons ici. Ouais. Et quand tu viens en deadlift, la plupart du temps, ça arrive que le petit mousqueton là vienne s'enfoncer dans le pec. Ok. Donc douleur, un flux nerveux, tu lâches, tu peux pas porter plus. Et en plus de ça, maintenant je me retrouve avec des cocards sur le pec D'accord. gauche. Et donc en fait, j'ai simplement remis un mousqueton équivalent de soutien de 500 kg en dessous. Ouais. Et en fait, parce que c'est plus naturel d'avoir une sangle par le dessous. Ouais. Et donc il suffit juste de prendre le mousqueton. Je passe par le dessous. Et donc là, je prends la mesure de l'équivalent d'un bras. Ok. Je viens me coller à la barre. Et voilà. Ok. Putain, t'as les. T'as des putains de veines là. Ouais, toujours. C'est ce que les infirmières sont contentes quand elles doivent piquer. Et après, par contre, il faut faire attention, c'est quand de relâcher, de bien relâcher avec la sangle. Ok. Parce que, elle reste accrochée. Ok. Bah écoute. Là, on va monter en poids, on va s'échauffer. Après, on va faire 4 séries de 12, c'est ça ? Ouais, 4 séries de 12. Ok, ça marche. Bon, là c'est parti pour l'entraînement, pour le WOD. Là, on a le coach de Ludo avec nous. Il va nous expliquer en quoi consiste le WOD. Du coup, pour la journée mondiale du handicap qui a lieu le 3 décembre, on s'est dit que ça pouvait être sympa avec Ludo de faire partager du coup nos adhérents. Parce que Ludo éprouvait du coup tous les jours pendant l'entraînement. Donc, on a décidé de créer un entraînement à base d'unilatéral, donc de travail d'un seul côté. Pour le bien des adhérents, forcément, on va leur faire travailler les deux côtés, mais avec une contrainte, c'est qu'ils doivent d'abord utiliser que le côté droit et ensuite que le côté gauche ou inversement. On aura du coup un haltère pour l'entraînement parce qu'on va utiliser qu'un seul bras en unilatéral. On aura du coup 300 mètres de rameur, donc on va utiliser un anneau pour faire du rameur à un seul bras. Je vous montrerai comment ça se passe. On aura du coup un complexe avec la dumbbell, donc un enchaînement d'exercices. On aura du coup des shoulder to overhead, on aura une charge des épaules qu'on va amener au-dessus de la tête. On aura du coup des devil press, donc pour les connaisseurs, on va faire du coup des burpees plus un dumbbell snatch. Et on aura ensuite des overhead squats dans l'idée, si jamais
Ludo et Newton ont la mobilité nécessaire. En gros, on va devoir tenir l'haltère au-dessus de la tête et faire un squat avec. Si ça pose problème par rapport à la mobilité, comme on n'a pas le temps de développer ça sur une séance, on adaptera le mouvement en faisant des squats classiques. Ensuite, on aura du coup un mouvement de gymnastique avec des montées de genoux et on va faire du coup deux tours à droite et ensuite deux tours à gauche. Et sans temps de repos. Sans temps de repos. Dans l'idée, on n'impose pas aux gens de ne pas s'arrêter. On essaie de s'arrêter le moins possible parce que le but de l'entraînement, c'est de le terminer le plus rapidement possible. Dans l'idée, on n'utilise que son bras droit ou que son bras gauche sur deux tours et ensuite on refait deux tours avec l'autre bras pour garder l'équilibre. Alors du coup, vu que j'ai une faiblesse au niveau du bras gauche par rapport au droit, je vais faire les deux tours du bras gauche. Voilà. Et puis toi, tu feras deux tours au bras droit. Au bras droit. À ton avis, combien de temps ça va nous prendre ? Je crois que c'était 32 minutes le time cap. Ouais, je pense qu'on est parti sur une petite trentaine de minutes d'effort. Hein. Ah ouais ? Ouais. Donc 30 minutes en stop, peut-être plus. Ok, à chaque fois que je fais des WOD, c'est quand je viens ici. Donc je viens pas souvent ici et à chaque fois, ça me tue. Et pour ceux qui ne connaissent pas, présente-toi. Du coup, je suis coach sportif, je m'appelle Alexandre Favette, je suis co-owner du coup de la salle CrossFit Reveal et donc du coup, voilà, on est dans le temple de la préparation physique. Je viens de comprendre un truc là, il y a un petit problème. On m'a réexpliqué le concept du WOD. Là, on doit faire 300 mètres de rameur, ensuite on a un complexe avec les haltères, donc on doit faire 3 fois. Donc ici, on a 3 shoulders to overhead, 6 devil press, 9 overhead squat et ça en fait, après avoir fait les 300 mètres de rameur, et ben on doit faire ça 3 fois. Et quand on a fait ça 3 fois, on passe au relevé de genoux. Ouais. D'accord ? Donc ça fera un tour. Voilà. Et normalement, le but de ce WOD, c'est de faire 2 rounds de chaque bras. Et moi, comme j'ai dit que je faisais que le bras gauche, et ben on va faire 4 tours du coup. Du bras gauche. Du bras gauche. Mais eux, ils peuvent pas ici parce qu'en fait, le travail imposerait un effort et un déséquilibre. Et comme eux, leur travail, c'est obligatoirement que les adhérents fassent du travail au niveau gauche et droit correctement, ils peuvent pas proposer ce travail-là et donc développer une masse musculaire plus qu'une autre. C'est pour ça que eux, ça a été proposé à ça, comme ça. Moi, il est clair que dans les exercices que je fais la plupart du temps, en fait, tout simplement, je vais être amené à faire le double des exercices. Parce que les autres, la plupart du temps, font gauche. Quand ils reviennent, ils font droit. Moi, je vais être obligé de faire la même charge sur un seul bras. Et donc, là, toi, tu vas travailler comme moi. Parce que les autres adhérents ont fait deux fois gauche, deux fois droite. C'est toi, ça. Moi, si je l'avais fait, ce jour-là, j'aurais fait quatre fois à droite. Donc, une charge quand même plus compliquée. Ouais. Donc, du coup, là, c'est... Tu vas souffrir. Au bout des 32 minutes, si on n'a pas fini, on arrête l'entraînement. Ouais. Bon, c'est 32 minutes d'effort, quoi. Après, on peut faire deux tours à 16, hein, au pire. Alors, pour info, pour les overhead squats, j'ai pris moins lourd. Oui, je sais, vous avez le droit de me tailler dans les commentaires, mais j'ai pas la mobilité. Du coup, même avec un poids plus léger, je vais forcer. C'est comme ça. Quand on fait trop de muscu, on devient raide. Donc là, on va nous mettre le timer. Et c'est parti pour 32 minutes d'effort. Alors le but c'est de pas partir comme une fusée. Moi je vais essayer de prendre ton rythme. Tu vois. Peut-être pas partir comme une fusée. Toi tu pars comme une fusée ? Non. Parce que l'effort tu dois le répéter à chaque fois donc tu perds plus que ce que tu répètes. Ouais, je vais essayer de rester constant et tout. On est parti ? Enfin on attend le signal. Ouais. Rameur combien de temps ? 300 mètres. 300 mètres, ok. Doucement, je vois que tu vas vite là. Ouais.
place au bike. Ça c'est combien? 6. C'est quoi? 9. 3. Il va finir hein. Bien joué. Bon. Là ça va faire 32 minutes dans 2, 1, 0, 32 minutes, c'est fini. Et bah moi j'ai pas fini. Normalement ça va être terminé. Bah je continue. C'est tous comme ça. Je suis fini. J'ai commencé, je suis fini bordel. Tiens, je prends une petite photo pour montrer aux autres qu'on l'a fait et il est faisable. Et un seul loin.
Allez, courage. Bien. Le gainage, hop. Tu te sur les jambes pour économiser le vent. Ouais. La machine. Bon, on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. La séance est terminée. Je suis mort. Donc là, on se retrouve chez Ludo. Ouais, ma pièce geek. C'est là où je stream, où je fais mes lives et où je joue avec mes amis, en fait. Donc, il a une chaîne Twitch. Tu fais des lives, tu joues, etc. Donc, on va dire que c'est une de tes deuxièmes passions. C'est ça. La chaîne Twitch, en fait, elle me permet de démocratiser le sport et d'avoir un aspect informatif et pédagogique sur le sport, mais aussi sur le gaming. Donc j'essaie de me centrer sur quelques jeux, mais on parle énormément aussi, on passe beaucoup de temps à discuter sur le handicap, sur les jeux, sur tout et n'importe quoi. Oui, parce que pour jouer, quand t'as qu'un bras, c'est délicat quand même. Du coup, tu joues avec tes pieds aussi. C'est ça. Moi, j'ai ma souris qui est ici, et en fait, j'ai une manette et un pédalier qui se retrouve en dessous. J'ai relié le tout avec un logiciel qui me permet de jouer avec mes pieds et à la souris. Et ça va, c'est pas trop chaud? Ah bah si, si. Au début quand même. Je me débrouille bien. Ouais. Je me débrouille bien. Je fais des belles choses par-ci par-là. T'arrives à jouer à pratiquement tous les jeux, quoi. Ouais. Les seuls jeux où j'ai des problèmes, c'est quand il y a des conflits où il détecte la souris et la manette et il veut comprendre. Il me dit non, je veux la souris et la manette comme Fortnite, etc. Mais sinon, la plupart du temps, tous les jeux, ça passe bien. Il suffit de travailler un petit peu au pire sur les logiciels, les touches et tout, et ça passe. Ok. Pour le retour au niveau de l'entraînement, franchement, c'était vraiment dur. Là, le fait d'avoir fait 4 tours sur le même bras, c'est normalement, c'est 2 tours d'un bras gauche et 2 tours d'un bras droit pour les personnes qui ont leurs deux bras. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, je vais faire exactement pareil que Ludo. On a fait 4 tours et j'ai choisi mon bras gauche parce que c'est le bras le plus faible. Et franchement, j'en ai chié. Donc du coup, j'ai pas fini le WOD parce qu'en fait, tu avais un time cap de 32 minutes. Et toi, tu as fini. Franchement, tu es super chaud au niveau cardio. En plus, au début du WOD, tu me dis... c'est important de pas commencer vite. Le but, c'est de pas partir comme une fusée. Moi, je vais essayer de prendre ton rythme, tu vois. Peut-être pas partir comme une fusée. Toi, tu pars comme une fusée? Non. Je lui dis oui, bah, je vais pas commencer vite, je vais te suivre. Alors, au final, j'ai pas réussi à le suivre au bout de quelques exercices. J'étais un peu à la rue. Et il y a aussi un truc que vous avez dû remarquer, c'est quand je fais les burpees snatch, donc les devil press, au début, je m'aidais de ma deuxième main. Je captais pas quand je descendais en burpees comment il faisait pour se relever, tu vois. Je me dis, merde, comment il fait et tout. Et au début, je mettais mon poing. Je me dis, attends, j'ai déjà fait 2-3 reps comme ça. Non, c'est pas bon, il faut que j'arrive à une main, tu vois. Entre guillemets, c'est pas du jeu. Et du coup, j'ai pu m'apercevoir que c'est vraiment chaud, en fait. De me mettre à ta place. Je trouve que c'est intéressant, tu vois. Pour les personnes qui nous regardent actuellement, même si vous n'êtes pas handicapé, si vous avez vos deux bras, je vous invite à essayer la séance avec un bras. Pour pouvoir vraiment se rendre compte que bah, c'est chaud quand même, tu vois, parce que c'est dur ce que tu fais, tu vois. C'est vrai, ça demande énormément de renfort, parce que le truc qui amène le problème avec le crossfit, c'est que le crossfit en tant qu'adaptive, obligatoirement, on va avoir qu'un côté ou un handicap. Moi, le problème, c'est que je vais surtout mobiliser mon côté droit et totalement oublier mon côté gauche, et ça peut entraîner des déséquilibres au niveau posture, au niveau corporel, et puis au même visuel, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, moi, je ne fais pas que du crossfit, je fais vraiment énormément de renfo. Bien sûr. Pour tout ce qui est même back squat, front squat, il faut savoir verrouiller, l'épaule elle est là aussi pour porter. Et le problème, c'est que si on néglige le côté qui est, on va dire, qui est blessé, qui n'est plus présent, eh ben, ça peut entraîner des problèmes. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à faire, qu'il fallait aussi, même si j'adore le crossfit, que je ne pouvais pas faire que ça.
Et donc, c'est bête à dire, mais pour tout ce qui est des villes presse, ça demande beaucoup d'obliques, beaucoup de gainage. Au final, pour pouvoir les faire correctement, parce qu'au début, moi, je relevais une jambe, je relevais l'autre, je n'avais pas la puissance nécessaire. Ouais, et pour puis le cardio, sur les deux pieds, parce que ça tue. Et donc, j'ai commencé, par exemple, à apprendre à faire des pompes à une main, dans un premier sens. Et il y a beaucoup de choses comme ça, et c'est du travail sur la durée, et il ne faut surtout pas lâcher pour pouvoir faire les choses comme ça. Mais franchement... Tu m'as épaté. Moi, j'ai pas réussi à finir, comme j'ai dit, les 32 minutes, mais j'ai quand même fini le circuit. Bah, je pense que tu l'aurais terminé si tu avais utilisé ton bras de vie. Si tu avais utilisé ton bras droit, tu aurais pu. Mais c'est là aussi où toi, tu as fait une chose différente que peut-être beaucoup n'auraient pas fait. Ouais. C'est que tu as utilisé ton bras qui n'est pas ton bras de vie, donc ton bras le plus faible. On a tous en gros un côté ou une jambe. Mmh. Et toi, tu as été même plus loin dans le jeu. Parce que si on avait fait le jeu, tu aurais utilisé ton bras de vie. Tu aurais sûrement terminé sur le time cap. Ouais. Mais partant du principe que tu es parti sur ton côté le plus faible, tu as perdu les quelques minutes qui te manquaient. Parce que franchement, bon après je l'ai fini en je ne sais pas combien de minutes, mais du coup je me suis quand même décidé de finir l'entraînement. Parce que pour moi, quand on commence quelque chose, il faut le finir. C'est le cas pour dans tout domaine, n'importe quelle activité ou projet que vous mettez en place. Quand vous commencez, il faut finir. Là, ça va faire 32 minutes dans 2, 1, 0, 32 minutes, c'est fini. Et moi, j'ai pas fini. Normalement, ça va se terminer. Je continue. C'est tous comme ça. Je suis fini. J'ai commencé, je suis fini, bordel. Ce qui a été dur, c'est pas spécialement le cardio. C'est vraiment au niveau de la force et de la congestion. Tu vois, j'avais pas l'habitude de faire des presses que du bras gauche. Et pendant un moment, même si c'était pas lourd, je pouvais plus, quoi. C'était pas... Bon, bien sûr, le cardio a beaucoup travaillé, tu vois. J'étais mort quand même après chaque exo, chaque répétition. Mais c'était pas ça le plus dur, tu vois, encore. Non, mais c'est comme quand tu vas faire des répétitions sur du biceps curl ou etc. La plupart du temps... surtout quand tu as beaucoup de répétitions, tu ne vas pas utiliser des poids qui sont immenses. Au final, c'est un petit poids, c'est les répétitions qui font que. Et là, au final, ne serait-ce que pour les shoulder to overhead, tu vas faire forcément une répétition en continu et puis tu vas enchaîner avec les débiles presses. Donc au final, tu mobilises ton épaule et puis tu es toujours sur les mêmes mouvements. C'est ça. Et donc à répétition, ton corps se fatigue. Et en fait, moi, ce que j'ai compris à travers le CrossFit, où je travaille différemment d'une personne qui est valide, c'est que je ne pense pas pouvoir être aussi fort à une main qu'une personne qui en a deux, même si on peut compenser. Le cardio, ça se travaille, même si je trouve que j'ai un cardio de merde. Non, franchement, t'as un bon cardio. Là où, par exemple, sur la gym, où je serais obligatoirement moins bon qu'une personne valide, je me dis, là où je peux travailler plus, c'est mon endurance. Ouais. Et là où j'ai compris, en fait, en travaillant, en jouant avec mon corps, c'est toutes ces choses-là. Si je m'économise un maximum et que je travaille la technique, je serais peut-être... pas niveau équivalent, mais je pourrais forcément être d'un bon niveau que si j'essayais de compenser tout par la force. Et donc, j'ai essayé de trouver un équilibre et j'ai bien compris que la technique et l'endurance me permettraient de faire les choses correctement. Après, travailler en unilatéral, c'est-à-dire que sur un bras, comme là on l'a fait, c'est vraiment dur parce que quand on a ces deux bras, et même s'il y a un bras qui est plus faible que l'autre, l'autre peut compenser pour faire l'exercice, pour finir la répétition, etc. Alors que là, je pouvais pas m'aider de mon autre bras pour compenser, etc. Enfin bref, franchement, c'était enrichissant d'avoir testé cet entraînement, donc je vous invite à tester cet entraînement. Donc, faut qu'on parle d'un truc important, c'est les projets que tu as, dont ton association, dans un premier temps. C'est ça. Donc, à quoi elle consiste, ton association que tu as créée? Alors, moi, j'ai créé l'association des pieds et des mains pour aider, en fait, les personnes handicapées. On a choisi un thème vraiment large parce que le handicap, il se joue surtout, que ce soit au quotidien, dans le sport, dans la vie de tous les jours. Donc, principalement, aider les personnes handicapées. On souhaite financer des sportifs adaptifs pour pouvoir leur permettre de faire pas mal de choses parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, les personnes valides ont un peu plus de financement. On l'a vu sur tout ce qui est olympique, paralympique. Pourtant, les paralympiques ont, si je me souviens bien, rapporté plus de médailles d'or. Et ces personnes-là sont pas forcément financées. On a beaucoup de personnes qui sont pas financées et qui ont beaucoup de possibilités, mais qui sont dans l'oubli. Donc, on souhaite leur donner un coup de pouce
sur ce domaine-là. Au niveau sportif, on a créé, par exemple, on essaie de créer en France, parce que normalement c'est que américain, on est en train de créer un harnais et donc une corde à sauter. Ouais. Ce que tu avais tout à l'heure pendant l'entraînement. C'est ça, mais c'est pas celle-là, mais on essaye de vraiment adapter. Plus ergonomique, plus de confort, adapté à tous, de façon ambidextre, à la possibilité, par exemple, aux salles de sport, de pouvoir les avoir, donc pour pouvoir toucher plus de personnes, pour motiver plus de personnes, pour leur montrer que cette partie de la population, qui représente, je crois, à peu près 10%, n'est pas oubliée, en fait. Et, et on pense à eux, malgré tout, il faut des personnes. Alors, moi, je me permets, je le fais, mais je ne suis pas tout seul. Mais on se donne le courage de faire les choses et de le faire pour les autres. Maintenant, hormis toute la création, etc., on va centrer aussi sur l'informatif, la pédagogie. Parce que ben, toi, tu as pris le courage, en plus de le faire sur ton bras gauche, et tu t'es rendu compte des choses. Maintenant, il y a la vie de tous les jours. Ouais. Parce que là, c'était juste l'entraînement, tu vois. Voilà, j'ai pas, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont tiquer quand même sur le truc que, bah, il joue avec ses pieds. Je te donnerai des vidéos à la limite pour illustrer. Mais il joue avec ses pieds. Et moi, je sais, quand je vais sur Twitch, les gens, ils font « Quoi ? Comment ?» Et c'est arrivé, par exemple. Et là où j'essaye, moi, de discuter avec ces gens-là, c'est quand on va sur Twitch. Et le mec, il me dit, putain, t'as visé comme un pied. Je dis, ah non, non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. J'ai des amis, mais ils font, putain, ils jouent comme un handicapé. Je dis, non, tu peux pas dire ça. C'est moi qui joue mieux que vous, pour le coup. Et on a eu des gens qui sont venus sur le live, qui sont venus sur ma chaîne Twitch. Ils ont vu comment je jouais. Ils ont dit, attends, t'as un bras en moins, tu joues comment avec mes pieds. Ils sont venus, ils m'ont dit, je suis désolé. Et ils pensaient pas, ils savaient pas. Et ils sont venus, ils m'ont dit, je m'excuse, et, respect. Mais moi, je joue avec mes pieds, mais il y en a qui jouent juste avec leur bouche, il y en a qui... Voilà. Ouais. Et donc, on cherche vraiment tout cet aspect pédagogie, informatif. On essaie de rassembler un maximum de personnes. Il y a beaucoup de structures qui font des choses de leur côté, mais tout le monde est dispersé. Donc, on souhaite aussi rassembler un maximum d'informations pour que si une personne vienne demain nous dire « J'ai besoin de passer mon permis, mais je ne sais pas comment on fait. Je voudrais faire équiper ma salle de bain, mais avec la MDPH, c'est long ou je ne sais quoi. » Eh ben, on peut vous dire « Monsieur, les démarches pour passer votre permis, c'est là-haut, à tel endroit, vous faites ci, le formulaire, il est là. » Tenez, ah, et cette personne-là va gagner peut-être 2, 3 semaines, 4 semaines. Vous avez besoin d'un équipement, la MDPH est un peu plus long. Allez voir la fondation Le Roi Merlin. Le Roi Merlin font des choses, mais qui le sait ? Personne. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je veux pouvoir rassembler ces informations-là aussi. Je veux pouvoir aider un maximum de personnes. Alors, bien sûr, dans nos moyens, c'est le début, on met tout en place. Mais c'est peut-être le meilleur moment pour ces personnes de faire le premier pas, parce que nous, on le fait. J'ai une équipe, c'est des grands malades. Je ne pensais pas avoir des personnes. On a une personne qui a fait plusieurs associations, qui est venue, qui m'a fait tout ce qui est le dossier, qui s'occupe de tout ce qui est papier à l'État. C'est une bête. On en a une qui s'occupe de la communication, et automatisme des réseaux, etc. Il l'a déjà fait dans l'associatif. Il veut faire percer les projets et tout parce qu'il trouve que c'est super. Beaucoup de gens trouvent que c'est super et que c'est un domaine, surtout le domaine, on va dire, handicapé, entre parenthèses, où c'est une brèche, mais personne n'ose, et que c'est un projet plutôt... ambitieux et assez compliqué, mais il faut qu'on puisse se donner les moyens, il faut que les gens puissent nous suivre. Bah moi, je trouve que c'est un gros projet parce que ça n'a pas un rapport que pour le sport. Donc, c'est-à-dire que si tu es une personne handicapée, tu as besoin d'aide sur d'autres choses, on peut venir vers toi, vers ton association. C'est ça. C'est ça le but. C'est ça. On a choisi vraiment, et c'est par rapport à la législation, si tu fais quelque chose, tu fais cette chose. Si tu veux faire autre chose, tu peux pas. Là où on est cantonné, si pour X raison, demain tu me dis, écoute, gros, on a trouvé un athlète, il est génial, mais on voudrait financer, on peut pas, je sais que toi, non, je peux pas. Il a deux bras, deux jambes, il est bien, il est normal. Moi, je suis là pour aider les personnes handicapées. Et c'est déjà super large parce que ça fait des tonnes de projets et c'est pour ça que, en rassemblant plus de gens, on peut faire plus de projets, on peut travailler mieux si on a plus de financement et on peut voir plus large. Malheureusement, je suis qu'une personne, mes journées font 24 heures. Ouais. Comme m'a dit quelqu'un il n'y a pas longtemps, on est tous égaux, on fait tous caca le matin et on ne peut pas... Voilà. Et donc, obligatoirement, il faut que je rassemble un maximum de personnes et faire un maximum d'informations et de pédagogie pour pouvoir faire ce projet-là. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées... pour s'investir sur ton projet associatif, des grosses marques, etc., bah, n'hésitez pas à le contacter. Même les plus petits ou locaux, ça ne me dérange pas. En fait. Tout est bon à prendre. C'est ça. Et
Du coup, en parallèle, enfin, ça fait partie aussi de ton association, c'est le fait que tu veux construire une structure, tu m'as dit. Une structure ouais. spécialisée sur le sport, par contre. Alors, pour aider des athlètes qui ont un niveau ou qui voudraient passer à un niveau professionnel, etc. Alors, moi, principalement, en fait, comme je suis propriétaire ici, j'ai cette chance-là, j'ai tout rénové, j'ai tout fait, la structure, en fait, elle est là, la maison, elle est là. J'ai pas besoin de financement, j'ai pas besoin. En fait, c'est à disposition. Donc, c'est en train d'être fait. D'accord. En fait, je suis en train de créer une structure e-sport pour les adaptives. Donc là, on est sur le domaine du gaming, principalement. Ouais. Mais on voudrait réunir ces personnes-là pour les aider, par exemple, quand ils vont dans tout ce qui est grand test, compétition, etc. Ces personnes-là, il faut qu'ils s'occupent, quand ils ont une structure, par exemple, je prends l'équipe de Rebird, qui ont une quinzaine de pros ou semi-pros, et ben, ils doivent se déplacer dans le grand test, il faut le déplacement, il faut l'hôtel, il faut le matériel, etc. Et tout ça, ça coûte de l'argent, surtout dans le contexte actuel, où on est actuellement depuis quelques années avec le Covid, et moins de subventions, moins de choses, moins de compétitions, ces personnes-là, elles ont besoin d'un endroit pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes comme elles. Ouais. Et on pourrait mettre en fait à disposition cette structure-là pour que ces personnes puissent venir. Mais aussi au niveau sportif, si des personnes adaptives ont des compétitions, on va dire, dans le nord de la France, Paris, c'est pas loin de là où on est, c'est, on va dire, à 45 minutes. Ouais. À savoir que tout ce qui est transport, c'est quand même plus compliqué quand on est handicapé. Alors c'est sûr, si on a une voiture avec un bras en moins adapté, et pour les personnes qui sont en fauteuil ou plus, ça va être des transports qu'il faut mettre en place, etc. Et donc, nous, on est là pour les aider en disant, l'association a une structure, contactez-moi, c'est de camp à camp, vous voulez venir, ok, on vous retire ce poids-là. Et déjà, là, ça permet aux personnes déjà d'être plus légers dans ce qu'ils vont faire, moins stressés. Et pour les personnes qui souhaiteraient faire du gaming, on voudrait en passer en semi-pro et en pro pour permettre de montrer que le handicap, c'est pas une fatalité ni un problème, mais que c'est plutôt, il faut en faire une force. Et le jour où, on le voit déjà, mais de permettre à dire, il y a une équipe de valides et une équipe en e-sport, et ils feront les mêmes résultats que vous. C'est juste qu'ils joueront différemment. Eux, ils ont la possibilité de jouer avec leurs deux bras, vous pouvez pas, vous avez deux jambes, voilà. Mais au moins, on adapte, on fait. Il y a des entreprises qui font beaucoup de matériel adapté au jeu et tout. Nous, on essaye aussi d'en faire un petit peu sur le sport. Et c'est aussi ce qu'on espère faire. On essaye d'être diversifié, mais d'avoir une place qui permet de dire, on est là, on est présent, si vous avez besoin, venez nous voir. Et même si vous êtes handicapé, vous avez quelque chose, en fait, je suis ouvert à tout. Plus les projets sont fous aussi, plus c'est intéressant, c'est les plus drôles aussi. Et on essaye vraiment de diversifier. On est en train de voir, moi je suis en train de dessiner et de voir avec un dentiste pour pouvoir faire un embout, pour pouvoir tirer à l'arc sans les mains. Mais il y a beaucoup de choses, ça englobe beaucoup de choses. Et c'est des projets par-ci, par-là. Des fois, ça demande qu'une imprimante 3D, faire un petit embout, quelque chose dans le genre. Mais il faut quand même réfléchir, etc. Tu veux vraiment aider toutes les personnes handicapées, tout simplement. Comme je peux à ma mesure, parce que malheureusement... Non, mais ton association est là pour ça, quoi, pour aider toute personne qui voudrait, je sais pas moi, dessiner, être peintre, être sportif de haut niveau. Si demain, il y a une personne qui est... on nous a contacté a priori, en équipe handi basket. Ouais. Imaginons demain, cette équipe, on la fait passer professionnelle. On la met quelque part, elle fait des performances ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir... Et que j'ai d'autres personnes qui voudraient faire du basket. Il y a une équipe en fait qui est là. Va voir avec eux ce qui est possible. Mais si ces personnes-là sont pas là de base, viens me voir au basket. On va chercher. Mais plus on aura de personnes qui sont dans d'autres domaines, qui viennent nous voir, qui savent déjà, qui ont déjà fait, parce qu'au final, moi je le fais, donc je sais. S'il y a une personne qui me demande de venir du crossfit pour faire du crossfit, je lui dis ok. Si demain elle me demande sur un domaine que je connais pas, elle va me dire je voudrais faire du ski. Moi, j'ai jamais fait de ski. Et je suis sûr que c'est largement possible, mais même moi, je sais pas. Mais plus il y aura de personnes qui viennent, plus on a d'informations et mieux ce sera. D'accord. Mais c'est aussi, pour moi, l'argent, ça fait beaucoup, mais l'information, pour moi, ça reste la plus grande force, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est parce que des fois, on se pose plein de questions,
on pense qu'on n'est pas capable de faire ci, de faire ça, alors que si, c'est tout à fait possible, il faut juste bien être informé. Je peux le dire en connaissance de cause, moi, quand j'ai eu mon accident, j'ai, on va dire entre parenthèses, tout perdu. Mon expérience, mes diplômes, tout ce qui était ma vie, en fait, j'ai dû tout recommencer à zéro. Et je me suis donné les moyens, j'ai fait preuve de volonté et de détermination dans mes objectifs. J'ai fait le pari fou d'acheter des maisons et de les rénover à une main. Mmh. J'ai réussi. Franchement, c'est dingue. Hein. Respect. De toute façon, je peux. Quand il faut planter un clou, que t'es là avec ton clou et tu réfléchis, tu dis attends, mais je fais comment? Et en fait, tu arrives, tu plantes ton clou, tu dis bouge pas, bouge pas. Et là, tu prends le marteau, tu tapes, tu dis c'est bon, ça passe. Alors, quand tu dois monter des meubles Ikea, déjà, tu regardes la notice, tu dis c'est quoi à l'envers, à l'endroit. Et en fait, tu viens avec ton pied, tu prends, tu visse avec ta perceuse. Et ben voilà, c'est des trucs tout bêtes. Mmh. Un exemple tout bête, des sacs de sable. Ouais. Alors, il faut les porter. Bien sûr. Mais au CrossFit, c'est quoi ces sacs de sable? Ben, ça va être des D-balls. Mmh. Donc j'ai appris à prendre une D-ball, à la soulever, ouais, à la passer. Mmh. Et je fais des D-balls de 20-30 kilos. Et un sac de sable, c'est quoi? Tes sacs de course, quand tu prends, t'es comme, ouais, ça, bah, c'est des kettles, mmh, enfin, c'est, ouais, des, c'est choses ça, toutes bêtes. Mmh. Et donc j'ai réussi à rénover mes maisons, j'ai fait ça. Derrière, je ne pensais pas, ne serait-ce qu'il y a encore un an, pouvoir soulever une barre au-dessus de ma tête d'haltérophilie. Mmh. Mais je n'ai pas compris. Et je l'ai fait, mais je ne le savais pas. Ouais. Et quelqu'un m'a montré et ça m'a permis de le faire. Maintenant, demain, tout le monde ne pense pas, même avec deux bras, pouvoir faire les choses. Bien et sûr. Si, c'est possible. Mmh. Mais il faut aussi se donner les moyens. Il faut se donner les moyens, il faut essayer. Voilà quoi. C'est ça. Donc, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Franchement, je demande un maximum de likes, ne serait-ce pour toi, pour la vidéo. Partagez, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre en commentaire ou sinon, contactez direct Ludo sur ses réseaux. N'hésitez pas à donner de la force à Ludo. Suivez-le partout sur les réseaux, c'est gratuit. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Il y aura plusieurs épisodes. Restez connectés. Sur ce, on vous laisse là et je vous dis juste, no fake, just training.